En 1973, René Lévesque en a assez. Il décide d'abandonner la politique. J'ai fait mon bout de chemin, j'accroche mes patins. J'ai envie de gagner ma vie comme du monde. Il me semble qu'il y en a d'autres qui pourraient me remplacer. Aux élections précédentes, le Parti québécois a perdu du terrain face aux libéraux. Et encore une fois, Lévesque n'a pu se faire élire. Louisette Laforêt, militante de longue date, est déprimée. J'ai pleuré de déception. Cet échec avait quelque chose de douloureux. Moi, après ce que Bourassa avait fait aux syndiqués, j'espérais que le gouvernement changerait. Le départ de Lévesque serait une catastrophe. Ses partisans tentent de trouver un argument pour le convaincre de changer d'idée. Claude Morin est un conseiller qui arpente les corridors du pouvoir à Québec depuis plusieurs années. Il croit avoir la solution. Il propose une nouvelle stratégie. Se faire élire d'abord, puis ensuite tenir un référendum sur la souveraineté. C'est l'étapisme. Le mot étapisme est un mot qui a été inventé pour décrire tout simplement le fait qu'on ne peut pas faire la souveraineté du Québec du jour au lendemain. Ça, c'est normal. Tout le monde comprend ça. Lévesque y souscrit et décide de rester en politique. Lors de la prochaine élection, un vote pour le Parti québécois ne serait pas automatiquement un vote pour la souveraineté. Puis, le sort sourit au PQ. Le gouvernement de Robert Bourassa se met à déraper. Il trébuche d'abord dans le dossier linguistique. Il fait du français la langue officielle du Québec. Il exige qu'il y ait du français dans l'affichage commercial. Et il limite l'accès à l'école anglaise aux enfants qui parlent déjà l'anglais. La loi ne satisfait personne. Nick Chiamara est un militant libéral. Cette loi était une bonne loi. Mais beaucoup d'allophones se sentaient brimés. Ils avaient l'impression de perdre le droit d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix. Et les nationalistes, comme Louisette Laforêt, trouvent que Bourassa n'a pas été assez loin. Ça n'allait pas dans le sens de la protection de la langue française. J'ai pris ça comme une trahison de la part du gouvernement libéral et surtout de Robert Bourassa. Nous sommes d'une race qui refuse de mourir. Alors, ensemble, nous allons lutter. Notre lutte ne fait que commencer. Puis, il y a plusieurs conflits de travail violents. À Montréal, une grève des pompiers deviendra le week-end rouge. Et la corruption qui entoure la construction des installations olympiques éclabousse le gouvernement Bourassa. Mais c'est une décision d'Ottawa qui donne des ailes au Parti québécois. Ottawa veut étendre sa politique de bilinguisme à 5 aéroports du Québec. Mais les pilotes et les contrôleurs aériens anglophones s'y opposent. C'est unsafe. Everyone's proven that. I can't understand what the problem is. Les pilotes et contrôleurs francophones, eux, pensent le contraire. It's being done in all countries of the world, and I think one of the good examples is the Paris area, where 60% of the traffic is in French and 40% in English. Le gouvernement fédéral renonce à son projet et confie le dossier à une commission d'enquête. C'est le ministre du Transport, Jean Marchand, qui pilotait ce dossier. Désabusé, il démissionne. I think that this very serious problem of national unity is not going to be solved in Alberta. It's going to be solved in Quebec. Gérard Pelletier a déjà quitté le gouvernement. Des trois colombes, il ne reste que Pierre Trudeau. À l'automne de 1976, le premier ministre Robert Bourassa déclenche des élections anticipées. René Lévesque profite des déboires et des frustrations engendrées par le gouvernement. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire.
J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Louisette Laforêt est parmi les milliers de partisans au centre Paul Sauvé ce soir-là. C'était un grand moment, un moment inoubliable. Les émotions étaient à couper au couteau tellement c'était palpable. On était tellement enthousiastes, on avait enfin l'impression que le Québec deviendrait indépendant. C'était enfin possible. J'ai confiance que les Québécois continueront de rejeter le séparatisme parce qu'ils croient toujours que leur destinée se joue à l'intérieur d'un Canada indivisible. Le combat pour l'affection, l'appartenance et la loyauté des Québécois est engagé. Deux fois au cours des prochaines décennies, la survie du Canada va être mise à l'épreuve.